Vous retrouverez la vidéo sur OnlyFans. Oh, je vais être mes couilles. Ok, regardez bien. Tu vas péter, oui. C'est une version un peu plus dark de moi. Moi, j'ai dit ça avec mes gants, ça fait une ambiance chelou quand même. Dis donc, elle est bien petite cette cheminée. Oh, Seigneur. Bon, je vais peut-être pas manger autant d'escargots de Noël quand même. Salut à tous. C'est Brutus le Robuste en chair et en muscle, en chair et en Noël. Regardez-moi ce magnifique accoutrement. Bon, regardez cette petite intro. Aujourd'hui, on va faire du cirque. C'est absolument faux, évidemment, aujourd'hui. C'est la période de Noël, les amis. Et qui dit période de Noël, dit vidéo de Noël. D'où le déguisement, comme je l'expliquais. Puisqu'aujourd'hui, je vais manger et m'entraîner comme Mister The Père Noël, Mister Santa Claus, comme ça. On va passer une petite journée bien rigolote. J'ai plein de petites activités. J'ai essayé de créer un petit scénario comme si vraiment, on imaginait qu'on était dans la peau de Mister Santa Claus. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dehors tout de suite pour commencer cette vidéo et vous allez voir pourquoi on va se retrouver dehors. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, on est dans mon jardin. En Laponie, ce qui se passe c'est que malheureusement avec le réchauffement climatique, il n'y a plus trop de neige. Mais comme tout bon Père Noël, tous les matins, ce que je fais, c'est que je me fais un petit bain glacé dans la piscine. Alors je voulais acheter un truc où je mets des glaçons et tout, et après j'ai vu que le prix d'une espèce de petite poubelle, juste vraiment le récipient, c'est 400 €. Je me suis dit, ce serait quand même dommage, j'ai une piscine, tu vois, il s'agirait de mettre la daronne à l'abri quand même. Qu'on va faire ? C'est qu'on va faire un petit bain glacé comme ça, à 10h du matin. Bon, par contre, je l'ai pas précisé, mais la tenue de Père Noël, je la garde toute la sainte journée. Hein. Sauf ce matin, parce que là, je vais pas la tremper, ce serait quand même dommage. Donc, écoutez, on va faire ce petit bain glacé. Allez, c'est parti. Attention. Eh ben, elle est à 16. Oh, ça va, hein. Ah non. Ah non, elle est à 6-7. Ah, ça pousse. Ah oui. Ok, et cool. Bon, je voulais acheter un slip de Noël, mais j'ai pas trouvé. Je me suis dit que ça passerait peut-être pas sur... Hein ? À poil. Ah ouais, à poil. Ok. Vous retrouverez la vidéo sur OnlyFans. Par contre, ma piscine est dégueulasse, hein. Mais c'est comme ça, c'est une petite piscine un peu exotique, tu vois. Ça te met dans l'ambiance. Tu veux quand tu plonges ? Ouais, gros, je vais faire une crise cardiaque, là. Mais moi, ça me fait pas peur, parce que je fais ça tous les matins, vu que je suis le Père Noël. Très bon pour la vascularisation sanguine, l'oxygénisation du sang. Ah, je sens plus rien. Non mec, je peux pas. Allez. Ah, la 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 la. Ah. Merde, pas c'est. Ah. On met la tête. Ah. Ok, je peux pas. Ah, je sens plus rien. Ah, c'est horrible. Bon. Ah. Ah, ça va vous? Ah. Voilà. Ça, c'est la routine du Père Noël. Tous les matins, vu que c'est un homme du froid, c'est un viking, il n'a pas froid. Là, en vrai, je suis un acteur, tu vois, mais en vrai, j'ai pas froid du tout. Tu rigoles? Du coup, ce que fait le Père Noël maintenant, dans la suite de sa journée, c'est qu'il va couper des bûches pour se réchauffer, voilà, à la manière d'un viking. Donc on va se retrouver tout de suite pour cette coupe de bûches, et puis je vais peut-être me rhabiller un petit peu. Voilà, allez, à tout de suite. On va se remettre les lunettes de sécurité, hein. Ces lunettes, elles sont multifonctions, lecture, sécurité, tout. C'est top, hop. Donc on commence avec ce premier, ça va être l'échauffement. Le problème, c'est que le sol est mou, et... Bon, je me trouve pas d'excuses. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle rater son coup. J'ai fendu ça. Le problème c'est qu'elle est petite. Ah ouais, je vois pas clair moi. C'est les lunettes. Ouais. C'est les lunettes. Voilà, la merde. Suffisait de viser droit. Bon, ça c'était facile, c'était l'échauffement. On passe à la suite. Et pourquoi je dis la suite? Parce que là les gars, on a du bois. Pour ceux qui connaissent un peu ce qui est du domaine de la fente de bois finalement. Là on a du bois mouillé et avec des nœuds. Tu peux pas avoir pire. Ah ouais! Impossible. Mais non, impossible n'est pas Noël. Ok, c'est peut-être Noël. Attends. On va retenter quand même, on va pas se laisser abattre. Je veux jouer avec mes couilles. Je veux jouer avec mes couilles. Ah ouais, là, ça glisse. C'est compliqué. Le plan coupe,
tourne mal. Là, tu vois, le Père Noël, c'est un peu un warrior, hein, donc il se lave le manche. Oh, mais bon, mais tout ce que je dis, c'est mal interprété. Bon, on a pris l'autre rondin, parce que l'autre, c'est un bordel, hein. Mais bon, franchement, honnêtement, je suis pas très serein avec lui non plus. Allez, on va essayer. Ah, ça, c'est un bruit que j'aime bien. Ça, c'est un bruit. C'est plus sec. Ah oui, non, il va péter. Regarde. Là, une petite fente là qui s'est faite. Deux, un coup. Allez. Un coup bien placé, il pète. Ça va péter. Ok, il se fera peut-être d'un peu plus de coups quand même. Voilà. Ouh, ça c'est bien ça. Ah, c'est, tu vois ce sentiment de. Ah, de bon matin, bain froid, fendage de bûche, génial. Regarde, celle-là c'est du petit beurre. Ok, j'ai peut-être parlé un peu vite. Bon, petite session fente terminée. C'était sympa. Ça m'a bien réchauffé après ce bain matinal. Et donc maintenant, nous allons manger. Nous allons manger. Allez, c'est parti. Bon, nous venons d'arriver à Intermarché. Pourquoi nous sommes à Intermarché? Parce que nous avons des courses à faire pour se sustenter. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va acheter pour ce jeune repas du quotidien du Père Noël. Venez avec moi. Là, ils vont voir un bouc déguisé en Père Noël. Mais moi, je trouve que j'ai un flow, hein, franchement. En plus, avec le petit micro-cravate qu'on a mis comme ça, on dirait limite que je suis un peu, tu sais, je fais la sécu. Mais une sécu bizarre, c'est une sécu, tu sais pas pourquoi, elle est là. Joyeux Noël. Merci, papa. Ça me tue, là, même avec le téléphone, elle est diversité. Bon, là, on va commencer en prenant un truc, les gars, et honnêtement, je me sors un petit peu de ma zone de confort, de toute façon, tout au long de cette vidéo. Je vais prendre des huîtres, chose que je n'ai jamais mangée. En plus, je vais souvent en Bretagne et tout, et là-bas, c'est vraiment le pays de l'huître. J'aime pas ça, les huîtres. Enfin, je sais pas, j'ai pas goûté, donc je peux pas vraiment le dire. Là, c'est un peu une ambiance mouka dansée ici, hein. Ah, j'adore. C'est génial, j'adore. Comme ça a l'air ragoûtant. Yam. Des huîtres, s'il vous plaît. 6 huîtres. Quels sont les meilleurs? Ouais, super. On va se régaler avec ça. On va se régaler. Là, tu danses un peu comme ça? Pour de la mousse de canard de. Oh, mousse de canard Père Noël. Mec, ça par contre, c'est vraiment bon. Hein. Il m'a filé ça, j'étais pas prêt, gros. Ok, bon, au final, on prend pas de foie gras parce que c'est un peu la hesse, hein, comme on dit. 30 euros le bocal de foie gras, voilà. Il y a des cadeaux de Noël à faire, tout que ça va être chaud, mais c'est la fête, on va se prendre un peu de champagne. Oh, champagne gold, hein. On avait oublié un peu de plaisir. Hop. C'est mon repas de midi. Avec la carte, s'il vous plaît. Si j'ai les moyens, moi. Hein. Vous l'avez pas? Ah, je l'ai pas, malheureusement. Un long voyage, je l'ai pas encore. Ouais. Ouais, ça coûte cher, hein, les cadeaux des enfants. Hein. Ouais, ça paye. Hein. Bon, nous allons acheter le dernier item, le truc le plus important. Là, quand même, on a faim et puis il faut. La poulet, quoi. Oula. La poulet braisée. En fait, on a essayé de pas trop filmer aussi à l'intérieur parce qu'ils nous ont dit que c'était chaud, évidemment, mais ouais, au final, ils voulaient se prêter au jeu aussi, donc c'était rigolo. Ah, tout de suite, tu vois, je me sens bien, là. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui se passe, le Père Noël, là? Eh ben, le Père Noël, il a faim. On croyait que le Père Noël, ça mangeait pas. Ah, ça mangeait pas? Ah, bah si. Non. Des huîtres, des acrailles. Même un petit Père Noël. C'est le Père Noël diététique. Bon, nous avons pris de quoi se sustenter. Merci à monsieur Tony. La rôtisserie à Venelle, à côté d'Intermarché. Vous venez de la part de monsieur Tuss. Vous venez. Bon poulet fermier. Des très bons poulets. Bonne journée. Allez, bonne journée. Très chers amis, nous sommes attablés avec ce jeune poulet. On a plein de belles choses. On va se couper ce poulet. Donc là, au menu, c'est le poulet de Noël. Qui est beau, hein. Apparemment bio, tout ce que tu veux, donc, bien se passer. Et puis après, il nous a mis une tonne de pommes de terre. On a du champomis, des acras de morue, le petit pain de Noël pour le dessert. Pour l'instant, on a mis les aubergines aussi et on a mis les huîtres de côté. Ça veut pas dire qu'on va pas les prendre, mais pour l'instant, on veut se concentrer sur le poulet parce qu'on veut le manger chaud. Magnifique. Magnifique repas de Noël. Bon, j'ai enlevé mon chapeau, mais ça veut rien dire. J'ai enlevé la barbe parce que par contre, je peux pas bouffer avec la barbe, les gars. Et hop, on se fait une assiette. Ah ouais. Les aubergines, ça passe bien? Ah bon. On se régale, hein. On se régale. Il nous a mis une quantité de pommes de terre, regardez. Hein. Et encore, on s'est servi, hein. Voilà. Il dit, hop, toi, tu es grande, tu es costaud. Tu as faim. On va se prendre un petit peu de champomis, quand même.
Hop là. Attends, ok, regardez bien. Et tu vas péter, oui. Putain, il est coriace, hein. Il est plus robuste que toi. Hé hey. Ah, Brésil. Merde, merde, merde. Le pire mec. Hop, champomy, avec ça, on va finir. Olé, olé. Bon, et du coup, on va quand même... La santé. La santé à vous, hein. On va goûter les petits acras de morue qui passent bien, hein. Mec, c'est hyper bon. Bon, mon assiette est faite. Kevin aussi est en train de manger. Donc les amis, on va se régaler. Plein de bonnes choses. Pour l'instant, c'est les bonnes choses. On reviendra aux huîtres plus tard. Bon appétit, les amis. C'est une fin de repas. Moi, je vais quand même remettre mon bonnet, parce que depuis tout à l'heure, je suis sans bonnet, ça va pas. Puis j'ai froid, donc... Putain, ça sert à rien. J'ai enlevé ma barbe, évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, c'était impossible de manger. Genre vraiment, ils ont fait un orifice comme ça. Un peu galère, quoi. Je vais pas m'en mettre plein la barbe. J'aurais dû mieux me raser. Bon, j'arrête avec les conneries. Huîtres. On a parlé avec le gars qui nous a vendu le poulet. Il nous a dit faut pas prendre des huîtres laiteuses. Et franchement, je me rappelle le moment où j'ai commandé les huîtres. Je sais pas si on l'a entendu dans la vidéo. Le gars m'a dit ouais, elles sont bien laiteuses, tu vois. Bien. Je sais pas si elles vont être laiteuses ou pas. Donc ça va être un petit peu la surprise. Et le problème apparemment quand elles sont laiteuses, c'est que bah elles sont dégueulasses. Quoi. C'est vraiment fade, pas bon. Et apparemment, tu n'as pas ce goût iodé avec un petit goût de noisette à la fin. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. Ça. Donc c'est pas forcément le meilleur truc pour faire une première expérience avec des huîtres. On a notre magnifique. Et ben voilà. Tu vois, franchement, genre, après un bon poulet, des pommes de terre, des bonnes aubergines, des trucs bons, tu vois, bah là, t'as pas forcément un gros. J'ai pas envie. Ah ouais, quel bail. Mais faut être fou pour bouffer ça, sans déconner. Et les gars, je le fais pour vous. Franchement, je crois que je préfère faire un 10 000 calories challenge plutôt que bouffer ça. Allez, plus sec. Attends, un petit coup de citron. Pour ou je la prends pure. Vas-y, je la prends pure. Mâche. Ah. Ah. Ah, quelle horreur. Ah, je l'ai gobé en plus. J'ai pas cherché à mâcher. Je l'ai gobé. Je pense que ça traduit bien. En fait, elle a l'impression. Ah, tu es déroulant. C'est bon comme tout, hein. Ah. En fait, t'as l'impression de bouffer un molar avec beaucoup de sel, tu vois, mais vraiment beaucoup trop de sel. Mais je pense que j'ai même pas eu le goût du truc. Ah, j'ai pas eu le goût du truc parce qu'en fait, je l'ai gobé direct. Mais vraiment, genre, ça me dégoûte. Donc voilà, première expérience avec des huîtres. Trop cool, je vais en reprendre plein. C'est faux. Bon, après ce repas, il y a mes petits lutins qui vont venir débarrasser. Moi, je vais me faire une petite sieste là-bas. Parce que là, il y en a eu trop pour moi. Les huîtres, le poulet, le chocolat. Ah, bonne nuit, mes enfants. Père Noël, il faut qu'ils soient ensemble quand même pour livrer les cadeaux. Parce que sinon, papa. Ah, bonne nuit. Ah, bon. Après deux bonnes heures de sieste, je me réveille, qu'est-ce que je vois là? Un beau cadeau de Noël. Bon, je vous explique tout de suite ce qui va se passer, quel est le plan pour la suite de cette vidéo, les petits amis. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mon petit sac, c'est là-dedans que je vais vous mettre plein de cadeaux. Et pourquoi je dis « je vais vous mettre plein de cadeaux », c'est parce que dans ce magnifique carton que nous propose aujourd'hui MyProtein, nous avons plein de cadeaux qu'ils m'ont envoyés et que je vais vous faire gagner aujourd'hui. Je suis avec Aix-en-Provence et on va déballer ce beau carton. Plein de cadeaux que je vais vous faire gagner en vous faisant faire des petits challenges dans la rue. Donc du coup, bah là le plan en fait c'est tout simplement que je tranche. Ah ouais. Ah oui, il y a des... Ah ouais. Ah ouais. Alors nous avons ici des Protein Shock Crispies. Super. Donc, c'est des petites mini-hardies. On est complètement chez des gens. Je sais pas où on est. On a un shaker. On a... Ah ouais, il y a plein de trucs gros. De la whey. Des petits échantillons whey. Elle m'a mis bien. De la créatine. Vous savez en plus que comme c'est difficile de se procurer de la créatine en France de manière générale. Donc en plus c'est cool si je peux vous en faire gagner. Bon, le Père Noël au vestiaire, hein. On s'est fait renvoyer. Bon, non, en fait, en vrai, on n'avait pas trop demandé, on aurait dû demander. C'était pas trop un espace public. Bon, je vais tout mettre dans mon sac. Mais du coup, dedans, on a de la whey, de la créatine, des shakers et des petits protéines
Choc Crispies que j'ai goûté personnellement qui sont très très bons. C'est des petits encas protéinés que vous pouvez prendre. Donc voilà, on va faire gagner ça à tout le monde. Merci MyProtein encore une fois, je les ai contactés, ils m'ont dit mais de ouf, on est chaud pour faire gagner des petits cadeaux, donc c'est top. Voilà les amis, si vous voulez vous complémenter chez MyProtein, le code Brutus, vous le savez, lien dans la description. Donc on va tout mettre dans le petit sac et après on va les donner ces petits cadeaux. Hop, let's go. Hein? Non. Non, c'est pas moi. Je crois, ouais. Ça va, tranquille? Attends, mais... Est-ce que ce serait pas nos premiers concurrents? Est-ce que vous êtes chaud pour faire un défi? Attends, mais... Je suis en train de préparer mes cadeaux. Et directement, tout de suite, tout le monde est chaud pour avoir des petits cadeaux, donc c'est parti. Donc, vous êtes chaud, les gars? Vas-y, venez, venez. Mais non, mais ça va, ils sont pas drôles. Non, mais c'est normal. Bon, j'ai mon petit ballotin de cadeaux. Je suis avec... Comment t'appelles? Clément. Clément, enchanté. Clément, aujourd'hui... J'ai là-dedans plein de cadeaux, il y a des petits défis pour toi. Tu vas choisir, soit tu fais 30 pompes, ouais. Là maintenant tout de suite, ouais. Et tu gagnes un cadeau. Soit tu réponds à 30 questions de culture G, si t'en as deux qui sont bonnes, tu gagnes un cadeau. Ouais. Et après, je vais pas réviser mon cours, du coup j'ai pas noté. Faire un Shifumi. Non mais les pompes... Ça... Pompe, t'es chaud? Ouais. Mais la confiance, ouais, okay. Attends, t'as dit combien de séries? Série? Une seule série? Ah, c'est une quoi? 30 pompes d'un coup. Ok, ouais, c'est bon. Okay. Oui, chaud. Okay. J'aime bien non, l'attitude. Mais... Et en plus, gros, je suis avec Brutus, le rebus, gros. Il a parlé. Non, voilà. Allez, vas-y. 1, 2, allez, 3, 4, 5, il est confiant. 6, 7, c'est magnifique. 8, pas de fausses pompes, 9. Ouais, c'est propre. Hein. Allez. 28. Allez, les deux dernières. 29. Enfin, oh. Ok. Je te sers la main. Magnifique, magnifique. Et voilà. Ok, t'as rien gagné, je me casse. Premier, je t'offre directement une boîte. Tiens mon gars, franchement merci. Honnêtement c'est grave, bon c'est des petits. Oui. C'est des petites barres protéinées. Ben pour merci. Le matin, un peu genre barre céréales. Donc, Putain. Voilà. Magnifique. Stylé. Voilà. Bon ben merci hein. Bah écoutez, avec plaisir, joyeux Noël Clément. Merci beaucoup. Et à la revoyure. Exactement. Allez, bonne journée les gars. Merci, ciao. Hop. N'hésite pas, tu vois. Hop là, tac. T'as fait gaffe. Putain, t'en fais tomber. Hop, ça pousse. Oh. Ah. Oui, oui, je suis avec le... Ouais, c'est tout un métier. Hein. Là, on se dirige vers la rue passante du cours Mirabeau d'Aix-en-Provence. Si vous voulez, là, en fait, on est dans le week-end des courses de Noël. Donc là, il peut pas y avoir plus de monde. Dans les villes en général, donc je pense qu'on va bien rigoler quand même. Merry Christmas! Yeah, once in a pack as well. Instead of kind that doesn't mind the snow, it's beginning to look a lot. C'est un frère, c'est une version un peu plus dark de moi. Bon, après réévaluation de la chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger à la salle parce qu'on a quand même des cadeaux très ciblés muscu. Donc, quoi de mieux que de les offrir dans une salle de sport. Et en plus, monsieur Noël va s'entraîner. Je vais prendre une petite bouteille d'eau. Mais non, le Père Noël. Eh oui. Si vous voulez faire des petits défis là maintenant pour gagner. Vous voulez gagner des cadeaux de Noël? Ouais, carrément. C'est des cadeaux de muscu. Ah ouais, c'est bon, dans le coin rouge. Donc, monsieur Noël, hein, ça change pas. Dans le coin bleu. Romain. Okay, très bien. Allez. On va se faire un petit Shifumi en 3 points, celui qui gagne. Bah moi je gagne rien, mais il gagne des cadeaux de Noël. Il a un pote qui fait de la muscu, donc c'est pas. C'est bon. C'est chaud? Vas-y. Shifumi. Shifumi. 1-0. Shifumi. Un partout. Shifumi. C'est bon. Shifumi. Oh mais t'es vraiment gaze, mais t'es vraiment gaze. Le malaise. Mais même ma grand-mère elle gueule. Ah bon, le Père Noël est généreux, je trouve pas. Oh ouais. Ah, voilà. Je t'offre. Let's go putain. Je t'offre. C'est pas le monsieur qui nous a demandé. Un shaker. Putain. Ah c'est même plus content. C'est celui qui utilise des petits trucs protéinés. C'est carré. On a fait un... On a boycotté le supermarché. T'enverras ça à ton pote. Franchement, il sera content parce que la créatine, pour le coup, c'est chaud de t'en procurer encore. Et... Oh, merci. Voilà. Franchement, c'est vraiment sympa. Ouais, mais il est trop généreux. Avec plaisir. Ouais. Bah, merci le Père Noël. Hein. Bah, écoutez, joyeux Noël les enfants. Merci. À toi aussi. Hein. À toi aussi. Allez, merci, au revoir. C'est génial. Bon, on était parti pour acheter de l'eau. Ok. Les petites emplettes sont faites. Du coup, maintenant, we go gym. Et mais we go donner les cadeaux aussi. Allez, c'est parti.
qui ont la ref, j'en dis pas plus. Ok, bon, c'est improbable. Le premier à 3, si tu me bats, tu gagnes des cadeaux. À 3 quoi? Ah, j'ai fou. Oh, ça va, on peut pas. Attends, il y a deux. Ouais. Il faut qu'il fasse le score parce que là, moi, je suis pas prêt. Deux, hein. Le dernier, là. Le dernier. Bien joué. Ok. Tu as vu le nombre de gens que je dois faire gagner tous les Noëls, c'est des milliards d'enfants. Oui, go, Jim. Ils m'ont vidé de mes cadeaux là-bas. Plein de cadeaux à donner. Ouais, bah c'était gentil, bah merci. Bah, j'aurais pas des ciseaux par hasard? Ah, protéines, non mais pardon, tu t'as pas des petits ciseaux? Ouais, si, bien sûr, tiens, t'en as là. Formidable, formidable. Bah, les noirs, ils me paraissent très bien. Superbe, merci. Bon, du coup, comme je sais, je me demandais pas pourquoi je suis dans une douche, c'est parce que la musique de partout, du coup, c'est de m'isoler là où il n'y a pas de musique. Pourquoi j'ai des ciseaux aussi dans la main? C'est parce que je vais découper ce t-shirt pour faire un petit débardeur. Voilà, et aussi, on vient d'arriver à la salle. Merci à la salle du Light Club qui nous a accueillis, franchement, l'accueil est super, merci beaucoup. Donc très bon, que on va se découper ça pour se faire un petit débardeur bien cool. Si je vais y arriver aussi. Croc top. Non, mais ça va, il est pas trop petit par contre. Je suis avec Mister... Baptiste. Baptiste, bah écoutez, on se retrouve à la salle. Baptiste qui fait du coucher, Charlie il est en train de faire du coucher. Il m'a dit qu'il faisait du coucher, du coup t'as 6 reps, tu veux faire 6 reps? Ouais, j'ai faire 6 reps, là, sur ma dernière série. Ok, bah c'est le défi, s'il y arrive, il gagne des petits cadeaux. Ok, let's go. Magnifique. Allez, parti. Vamos. Allez. Allez! Là, t'as des petits mini protein shoyu. Oui, ça vient trop bien. Je t'en offre un autre. Franchement, il passe très bien. Ouais, c'est vrai. Je demande d'en finir. Bah écoute, j'ai jamais goûté, mais ça fait plaisir. Franchement, ça passe bien. Voilà, mon gars. Bah écoute, merci beaucoup, Féro. Plaisir. Franchement. Tu fais 15 pompes. Et si tu fais 4 pompes, tu remportes un cadeau. Ok. Tu es en plein dans ta séance, toi? C'est dur, bien sûr. Ouais, mais ça va. Ok, bah vas-y. Parce que je viens de manger. T'as le droit à des séries ou pas? Hein? T'as le droit à faire des séries? Non, c'est vraiment une série. T'as bien joué tous? Un à coup. Je te sens confiance. Vas-y. Sur la fin de mes cadeaux parce que je me suis fait un peu débaliser. Non. Mais au moins, t'as ça que tu pourras prendre à la fin de ta séance. Oh, c'est très gentil, merci. C'est un petit truc voilà. Protéiné. Merci beaucoup, c'est super sympa. Voilà. Tu m'as fait plaisir. Vas-y, avec plaisir. Entraîne-toi bien. Non, parfait. Oui, loulou. Les bêtises sont finies. Franchement, par contre, 15 pompes, on se dit, c'était propre. Donc, c'était beau. Ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Voilà, en plus, ce petit cadeau pour à la fin de l'entraînement, une petite collation protéinée, finalement. Et nous, crève de blabla. J'ai un petit monster qui m'attend. Donc, on va rentrer dans la séance. Séance épaule. Let's get it.
Pourquoi c'était court? Parce que demain j'ai un très 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 gros SBD. Monsieur Panam a mis 300 au squat, 200 au bench, 330 au terre. Donc je vous avoue que je préfère me préserver un petit peu pour demain. Mais voilà, j'ai quand même bien pump et qu'est-ce qu'il faisait chaud dans cette tenue de Père Noël. Mais voilà, malgré le déguisement, on s'entraîne quand même. C'était cool, franchement, bonne ambiance. Merci encore à la salle de m'accueillir. Et puis tous les gars s'entraîner, tout ça, c'est vraiment cool. Donc moi, en tant que bon Père Noël, je vais rentrer et puis me faire un petit feu. Et puis on va boucler cette vidéo là-bas. Donc voilà, les amis, on se retrouve directement dans ma demeure. Allons-y. Bien, les amis, nous venons de rentrer de la salle, j'ai pris ma petite douche, et pour finir cette magnifique journée, on va se faire un petit feu, voilà, à la manière d'un grand homme. J'ai été maître feu dans ma carrière, j'ai été scout, donc ça c'est mon domaine. Donc je vais vous montrer un peu le tuto pour faire des feux. Simplement, le problème, c'est que là, on s'adapte aux situations, parce que, il pleut, en fait, il a plu, donc... le bois est un peu trempé quoi. Heureusement j'ai eu la bonne idée de mettre du bois de côté hier, mais... Et voilà, donc on va se faire un petit feu un petit peu pour se réchauffer. Sans mettre de ses émotions de cette rude journée. J'espère que vous avez kiffé le concept, il s'est passé de belles choses. Ok, tu vois, hop, ça c'est la technique. Tac. Mais j'ai une technique, hein, parce que c'est quand même un peu un feu un peu 2022, tu vois. Parce que le Père Noël a évolué avec son temps, c'est évident. Donc, je disais il évolue avec son temps, mais à demi-mesure, tu vois. Pourquoi? Parce que t'as les allumettes. Comme en 1802, mais par contre, t'as les petits trucs pour tricher. Alors là, je vous vois venir dans les commentaires. Ouais, mais tu fais des faux feux. Oui. 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 Je suis fort, quand même. Sans aide. Hein. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. C'est magique. Il a des pouvoirs magiques, tu vois. Donc là, t'attends que ton petit bois y prenne. Et après, tu viens te rajouter tes petites bûches. Petites bûches qu'on a coupées ce matin. Et oui. Allez, on va attendre que ça prenne, se réchauffer, et puis boucler cette vidéo en beauté. Oh, Seigneur. Eh bien, c'est plus de montage, c'est connerie. Bon, les amis, nous avons mis les petites bûches dans le feu. Nous sommes tranquillement dans cette atmosphère très calme. Nous allons nous faire un petit peu de lecture. Voilà, le Père Noël en fin de journée. Se fait un petit peu de lecture, il va répondre aux quelques milliards de lettres que les jeunes enfants, au passage, lui envoient. Moi, j'ai dit ça avec mes gants, ça fait une ambiance chelou quand même. Oh putain. Ouh là là. Calmons-nous. Le Père Noël est high-tech aussi, hein, voilà. Bah, il faut, comme je l'ai dit, s'adapter à sa génération. Allez, un petit peu de lecture, c'est parti. On commence avec Enzo qui nous envoie cette jeune lettre. Bonsoir Père Noël, j'ai 8 ans, j'ai 18 de moyenne et j'aimerais une PS5. Pas suffisant, il faut 19. Ah oui, Père Noël est exigeant. Ah, on a William qui aimerait 10 millions d'euros. Alors, le Père Noël a les moyens, mais il faut se calmer quand même. Il y a la crise un peu en ce moment. C'est chaud. Bon, j'arrête mes conneries. J'ai saigné. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conneries aujourd'hui. On va garder ce petit mood pour faire la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, perso, c'était un plaisir à tourner, honnêtement. Si je peux faire le con et puis en même temps vous faire rigoler, c'est ce qui me fait plaisir. Voilà, c'est vraiment cette identité que je veux garder sur la chaîne. C'est on fait du sport, on se prend au sérieux, mais quand il faut faire le con, on fait les cons. Et c'est important d'avoir ça aussi dans votre vie. C'est important de ne pas trop se prendre au sérieux non plus. Donc voilà. Et puis, petite morale de l'histoire aussi, j'espère que vous allez passer de belles fêtes en famille. Profitez de ces moments pour vous réunir auprès de vos proches et de profiter de bons moments, de bons repas. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est du coup la dernière vidéo de l'année. Et 2023 nous réserve de belles surprises, je l'espère, pour tous. Et puis voilà. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Lâchez un petit commentaire si ça vous a plu. Sur combien vous notez mon petit outfit. Voilà. Et c'est Brutus, le robuste, en chair et en muscle. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Joyeux Noël.